Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission 100% Bénin. Tête à tête, Patrice Talon et haut dignitaire de la communauté musulmane du Bénin, maintes fois souhaité, pas plus d'un pour calmer la tension manifeste née de l'interdiction de l'occupation des espaces publics pour la prière du vendredi, la très attendue rencontre a finalement eu lieu. Si à la fin des pourparlers, personne n'a perdu de vue la chaleureuse poignée de main entre le chef de l'exécutif et le porte-parole du collectif des hauts dignitaires de la communauté musulmane, l'imbroglio né du compte-rendu proprement dit de la dite séance n'a non plus laissé personne indifférent. Certains relais font état d'une position révisée du chef de l'État par rapport au sujet et d'aucuns d'une fin de non-recevoir catégorique opposée aux dignitaires musulmans au sujet de leur requête. Un méli-mélo entretenu et abondamment relayé sur les réseaux sociaux et même par médias interposés. 100% Bénin, le numéro du jour, voudrait non pas en rajouter à la polémique, mais scruter de plus près les tenants et aboutissants d'une polémique qui, pour d'aucune langue, n'a véritablement pas de raison d'être. De la rencontre du chef de l'État avec la communauté musulmane qui a intérêt à créer la confusion, remuer le couteau dans la plaie pour paraphraser d'autres. Le dossier en soi est-il définitivement vidé ou pas? Quelle est-tu? Peut-on faire des envolées politiques observées à des moments donnés relativement au sujet? Nous reviendrons plus amplement sur quelques propos tenus par le chef pour apporter plus amples explications à la démarche. Ce sont là, entre autres, donc, angles que nous aurons à aborder au cours de ce numéro de votre émission Thème au menu, interdiction au Bénin de la prière musulmane du vendredi sur les espaces publics. Un dossier clos ou toujours fumant. Deux invités pour mener le débat en notre compagnie. L'un, un observateur averti de l'actualité sociopolitique du pays. L'autre, pas moins observateur, mais sa qualité de témoin oculaire de la rencontre suscitée motive davantage sa présence sur ce plateau. Il a nom Maître Ibrahim Salami, professeur agrégé des facultés de droit. Il est avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Maître Ibrahim Salami, bonjour. Bonjour, cher Vito. Merci une fois encore pour la disponibilité. C'est un plaisir. La forme toujours bien en sûr, toujours. Un plaisir. En face de lui, il n'est pas à présenter non plus un grand homme de la plume. Éditorialiste, il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, La Nouvelle Tribune, il faut le souligner, le promoteur aussi, Vincent Folly est son nom. Vincent Folly, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je m'en voudrais de ne pas vous demander une fois encore comment se porte la presse béninoise. Elle se porte comme nos dirigeants veulent qu'elle se porte. Vraiment? Oui, j'aurai l'occasion d'en parler. On en parlera sur notre plateau. Oui, interdiction au Bénin de la prière musulmane du vendredi sur les espaces publics. La mesure en croit, le chef de l'État participe d'une grande vision. Oui, rendre modèle et puis imposante et très attrayante les grandes villes du pays, dont la capitale administrative, Cotonou. Mais l'amalgame et l'intoxication se désole le chef de l'exécutif. On trouve fait de prendre le dessus. Que s'est-il passé? Qui se cache derrière cet amalgame entretenu et qui, paraît-il, se poursuit? Je me retourne très rapidement d'abord vers Maître Ibrahim Salami. Maître Ibrahim, de la rencontre de la communauté musulmane avec le chef de l'exécutif, quel gain principal retenir? Oui, en fait, le gain principal, ce que nous, membres de la communauté musulmane, nous attendions en tout cas, c'était que lorsque les mosquées sont pleines les vendredis, qu'on puisse continuer à utiliser l'espace juste dans les mosquées pour prier. Ça n'a jamais été un problème. On a compris qu'à partir de cette année, ça a commencé à être un problème. Et donc, si vous voulez, on y va dans les détails. Oui. Alors, en réalité, il y a un processus visant à libérer les espaces publics. Et ce processus devait amener le gouvernement dans tout le pays à récupérer les espaces publics qui étaient occupés par des citoyens depuis des années. Et ça a donné l'occasion de déguépir les bonnes dames, les commerçants, les véganisateurs qui sont au bord des routes. Dans un système où l'économie est pour une bonne part informelle. Alors, il y a eu donc des actes juridiques qui ont été pris en Conseil des ministres pour que ces espaces soient libérés.
progressivement, on a senti un glissement. Un glissement parce que ces mêmes ZAD qui étaient prévus pour déguerpir les espaces publics occupés, sur lesquels il y avait des emprises au niveau des espaces publics, on a senti un glissement à partir du moment où le préfet du littoral a commencé par s'approcher de la communauté musulmane pour leur demander de faire en sorte que d'abord les mosquées qui sont proches des écoles publiques soient dégagées, ensuite que les mendiants qui occupaient les mosquées, les devantures des mosquées soient dégagées, et qu'enfin la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est de ne plus occuper les espaces publics qui jouxtent les mosquées pour prier. Et le préfet du littoral était allé le 20 janvier dernier pour enlever les bâches qui étaient sur la chaussée jouxtant la mosquée de Kadiaou. Ça a été vécu très mal par la communauté musulmane parce que jusque-là, il n'y avait pas un problème. On ne savait pas nous-mêmes qu'on était un problème et qu'il n'y avait pas un problème de prier sous les trottoirs lorsque les mosquées sont pleines. Et donc, ça a créé, le moins qu'on puisse dire, une malcompréhension au niveau de la communauté musulmane. Et on a fait une conférence de presse. Et à l'issue de ça, le chef de l'État nous a reçus. On a mis en place un comité d'apaisement composé des religieux, des imams de l'Union islamique du Bénin, mais aussi des intellectuels musulmans. Nous avons prêté main forte à cette communauté-là et nous l'avons accompagnée dans ce combat-là pour aller à la présidence où on a été reçu. Alors, la séance est passée de la façon suivante. D'abord, ponctualité, 8h00, le chef de l'État n'avait pas de discours écrit. Il avait un calepin en main, mais c'est resté fermé jusqu'à la fin. Donc, il nous a entretenus d'abord, pendant une quarantaine de minutes, sur sa vision des villes béninoises qu'il veut rendre plus belles, plus attrayantes, et que ça demande que on ne puisse plus poser des bâches le week-end pour faire les fêtes, qu'on ne puisse plus rester sur le trottoir pour jouer à 10 par les populations. Et donc, dans ce sens, il ne conçoit plus qu'on continue d'occuper le trottoir, la chaussée, l'espace public pour prier, même les vendredis pour les musulmans. Donc, pendant la quarantaine de minutes, il s'est montré ferme, déterminé, c'était presque intimidant, presque. Et quand il a fini de parler, il a demandé que nous soyons son relais au niveau de la communauté musulmane pour que cette décision soit appliquée. Jean, la démarche, voilà ce que j'avais à vous dire, vous pouvez vous en aller, mais je vous écoute quand même. Et donc là, un de nos porte-parole lui a fait comprendre que la prière du vendredi, le vendredi est un jour de fête pour les musulmans, et que la prière du vendredi, ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une prière obligatoire qui doit se faire dans certaines mosquées spécialement choisies, pas dans toutes, et derrière certains imams spécialement choisis aussi. Et donc, après cela... nous avons fait une adresse qui a été préparée, adresse à son égard, qui a été lue par l'imam de la mosquée de Dionké. Et je pense qu'après ça, il a compris. Je pense qu'on ne lui avait pas donné autant d'explications. Il a compris nos préoccupations. Il nous remercie de lui avoir donné l'occasion de nous comprendre davantage. Et tout de suite après, il s'est ressaisi en disant « Mais je ne peux pas consacrer un droit d'occupation du domaine public pour prier les vendredis. Si je le faisais, ce serait une faute contre la nation, ce serait pas bien séant pour l'islam. » Finalement, au bout de ces échanges, il a compris que, l'on puisse continuer à utiliser cet espace-là, justement les mosquées, le temps d'avoir des mosquées plus spacieuses pouvant contenir toute la communauté musulmane. Donc, il a accepté aussi d'accompagner les musulmans, non seulement dans la reconstruction de la mosquée de Kadiaou, mais aussi d'autres mosquées beaucoup plus grandes, beaucoup plus spacieuses. Donc, nous, en partant de là, on était satisfaits d'avoir pu obtenir ce qu'on attendait, ce qui n'était pas un problème pour nous
jusque-là. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais rester là pour le reportage. Tout à fait, la synthèse qu'il faut, parce que je l'ai dit, vous étiez témoin oculaire de la séance Vincent Folie. Vous étiez de ceux-là qui ont suivi exceptionnellement, de très près, cette rencontre. Je veux parler de l'organe en question. Et je rappelle ici un titre évocateur par votre journal. Pourquoi avoir opté justement pour ce titre? Je cite ici, rencontre talon communauté musulmane quand la communication complique l'apaisement souhaité. Oui, et j'écoutais le professeur avec beaucoup d'attention et je me suis dit, il parle pour moi là. Il fait mon métier là. Le reportage. Oui, il a parlé même du reportage tantôt. Donc je me suis senti un peu frustré. Mais il a fait un bon reportage. Mais c'est la manière dont la question est gérée qui me gêne. C'est-à-dire, en matière de communication, le gouvernement opte de servir au peuple ce qu'il veut. Nous, par exemple, cette rencontre, aucun journaliste n'était invité, en tout cas pas notre journal. On a été sur le site de la présidence pour avoir le son. Et c'est à partir de là qu'hier que nous, on a fait le verbatim. Donc, ce que le professeur vient de dire est exactement ce qui vient de se passer. Et ce qui est contenu dans leur communiqué que nous avons eu la veille et que nous avons présenté dans le journal. Donc, dans un premier temps, on n'est pas invité. La presse est tenue à l'écart et le gouvernement sert ce qu'il veut servir. Et nous, ça nous gêne. Nous, on veut être là. On veut être témoin. On veut dire, il ne s'agira pas pour le comité d'apaisement de rédiger simplement comme que de nous envoyer dans la presse. Nous, on a notre manière de gérer l'information. C'est ça qui est frustrant un peu dans ce qui se passe autour de ce dossier. Donc, moi, quand j'ai lu, et le problème que cela pose, c'est qu'il y avait une sorte de dichotomie entre le compte-rendu, parce que le gouvernement a mis le son sur son site, et un commentaire, c'est-à-dire un texte qui est une sorte de commentaire avec des phrases qui pouvaient prêter à confusion. Et il faut lire le communiqué pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Où les gens, ils ont fait comme les journalistes, ils ont dit, voici ce que le président a dit. Deuxièmement, notre représentant parle. Et après, le président a pris la parole. Exactement ce qu'il a dit. Mais je vais dire quelque chose. Où le professeur a dit tantôt qu'il a semblé, lorsqu'il a, à la deuxième prise de parole, il a semblé être d'accord avec vous. Et vous vous êtes séparés un peu convaincu que vous l'avez convaincu. Mais le lendemain, moi, mes confrères écrits, le président est resté ferme sur sa position. Et je veux me conforter dans ça parce que dans les propos du chef de l'État, les premiers propos ont été intimidants, comme vous avez dit. Vous l'avez utilisé le mot comme pagaille. Le Bénin serait un pays de pagaille. Vous y êtes là-dedans il y a longtemps. Non, vous ne partagez pas la pagaille. Je ne suis pas désordonné. La pagaille est réglée par la loi. Quelle est la loi que les gens enfreignent en faisant la pagaille? Moi, je veux dire, il y a une loi. Et on est. Bon, je parlerai sous le contrôle du professeur en ce qui concerne la loi. Mais je veux dire que lorsque j'ai écouté les derniers propos du chef de l'État, et surtout le commentaire que une certaine presse, j'appelle, mais ce n'est pas méprisant, le commentaire qu'ils ont fait en disant que le président est resté ferme sur sa position un peu pour répondre à ceux qui disent qu'il a jeté, qu'il a mis de l'eau dans son verre. En fait, le président a dit, bon, nous allons permettre ça, c'est-à-dire autoriser que la communauté utilise. Mais nous allons forcer un peu. Et il rit. Un sourire un peu cardassier, j'emploie le mot un peu à dessein. C'est-à-dire, le sourire, là, ça fait froid dans le dos. Lorsque vous entendez le président dire, c'est un rire qui fait froid dans le dos. Ah bon? Et il rit, et il dit, bon, on va forcer un peu. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut diriger, hein. En faisant les choses, en forçant un peu, ils forcent quoi? Ceux qui forcent, c'est la loi, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la mine de la personne qui nous dirige. Nous, on n'a pas désigné un dictateur, on a désigné un démocrate. Et c'est, nous sommes en démocratie. Et le préfet qui joue aux zozo, il faudrait lui dire qu'il est sous la démocratie et que nous ne sommes pas en dictature. Il a des rôles donnés, le maire aussi. Bien qu'élu, parce que j'ai entendu le préfet dire des fois, le maire, en fait, c'est 300 personnes qui se réunissent pour le désigner. Après, des conseillers viennent se réunir et ils désignent quelqu'un. Donc, en fait, quelle est cette élection? Quel est ce maire qui est élu? Que lui, il a été désigné par le premier élu. Bon, cette confusion de gens, moi, ça me gêne. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'en démocratie,
c'est-à-dire la loi sur la décentralisation qui dit que le maire est le chef de terre dans une commune, que cette décentralisation soit dévoyée par quelqu'un qui n'a qu'à été nommé. Et on connaît cette personne-là. Nous, on a parlé de lui lorsqu'il a été élu, lorsqu'il a été nommé. On sait ce qu'il était. Bon, et on parlera après. On parlera après de ce qu'il était. Mais on parle de l'existant. Le chef de l'État constate qu'il y a un amalgame qui ne dit pas son nom, qui est entretenu, accompagné d'intoxication. Je n'ose pas croire que la communauté musulmane soit derrière, mais vous êtes là, c'est aussi pour livrer la part oui, de fait, vérité de cette communauté aux téléspectateurs. Oui, non, mais non, en fait, pour sur la communication, il faut qu'on y revienne d'un mot. Oui. Vous allez remarquer que entre la page Facebook du chef de l'État et la communication livrée, le communiqué livré par la cellule de communication de la présidence, il y a un fossé. C'était pas un communiqué, c'est un article. Ah, c'était un article. Ah, d'accord. Ok. Il y a un fossé. En fait, regardez bien, même sur le site internet, sur internet, la vidéo qu'on a présentée comme la vidéo intégrale de la rencontre, elle n'est pas du tout intégrale. Elle n'est pas du tout intégrale parce que il y a eu des répliques qui ont été données au chef de l'État qui ont été coupées. Par exemple, quand le chef de l'État dit « Je veux que vous soyez qu'on signe un pacte », notre représentant lui a dit « Non, on ne voudrait pas signer un pacte avec vous. On a signé un pacte avec Dieu et que vous, on peut avoir un accord, mais on ne peut pas trahir le pacte qu'on a signé. » C'est très important. Deuxième chose, quand on dit « La vidéo est intégrale », elle n'est pas intégrale. Vous allez voir, elle ne se termine pas. La parole du chef de l'État qui dit « Je vais donner la parole au ministre de l'Intérieur. » Mais vous n'avez jamais vu le ministre de l'Intérieur parler. Donc, cette vidéo n'est pas intégrale, elle est tronquée, elle est manipulée. Pourquoi? Parce que le ministre de l'Intérieur, on a demandé, il y avait trois ministres. Le ministre d'État, Abiol Biochane, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Joseph Diogbenou, et le ministre de l'Intérieur, M. Saka Lafia. Le chef de l'État, quand il a fini, il dit « Je vous donne la parole. » Les deux autres ont refusé. M. Saka Lafia a accepté de prendre la parole. Et c'est lui qui dit, musulman de son État, c'est lui qui dit, il faut peut-être envisager un délai dans lequel on va permettre de continuer à utiliser le trottoir, mais plus de bâches, plus de barrières. Donc, la parole de l'État s'était engagée dans ce sens et lui, il a continué en acceptant, en aménageant des modalités d'application. Donc après ça, on a coupé. Si on avait montré ça, ça suffisait. C'est parce que c'était ça qui avait conclu la rencontre. Donc, vous voyez, quand on sort de là, on n'avait pas l'intention de faire un communiqué, nous. Parce qu'on se disait, on avait affaire à des gens honnêtes, à des gens qui peuvent assumer ce qu'ils ont dit. Vous avez été déçu? Oui, on a été déçu par la communication qui a suivi et qui a tendu à travestir ce qui a été retenu à la fin. Et c'est pas honnête en quelque sorte. Parce qu'on a vu le chef de l'État à la fin serrer la main aux gens comme si ambiance bon enfant. Mais avant ça, l'ambiance était lourde, était pesante. Mais après, quand il a lâché un peu et qu'il est venu à la fin, prenant chacun par la main, lui disant un mot, c'est ça que les gens... Ils ont retenu, mais c'est de la communication, vous me direz. Mais il ne faut pas que la communication travestisse la vérité des rencontres. Et c'est là où je regrette qu'il n'y ait pas d'autres médias pour faire au moins la balance. Médias d'État, médias privés et autres. Et comme ça, la communication, elle n'est quand même pas compliquée. À mon avis, on peut restituer au moins, même si on peut travailler l'information, on peut restituer au moins la vérité des rencontres. C'est frustrant parce qu'on se dit, si on va à la présidence, qu'on va parler, nous, on ne peut pas amener nos caméras. On ne peut pas enregistrer ce qui s'est passé. Donc, si on ne peut pas au moins restituer ce qui se dit de la part du chef de l'État, je dis, c'est dramatique. Mais, Vincent Folie, vous êtes de la vieille classe, dit-on. Parlons de la vieille compliment. Non. Vous voyez très bien ce dont je veux parler. Vous êtes ceux-là qui ont accompagné de tout temps les états généraux de la presse aussi, à votre façon. Et ça fait partie des points cruciaux, relayés. Et le Bénin, a-t-on souligné en son temps, a effectué des bons qualitatifs. Comment se fait-il que des années après, on a l'impression qu'il y a un recul net dans ce sens-là? La presse béninoise, de plus en plus, dit-on, est un peu méconnaissable.
Moi, je suis le même, hein. Mon journal n'a pas changé de position. Moi, j'ai la même ligne éditoriale depuis 2001 que je suis créé. Ça fait 15 ans, nous sommes dans la 16e année, et je m'en réjouis. Et je dis, non, c'est pénible. Le professeur parlait de nous, et moi, j'aurais voulu que ce soit nous. Parce qu'il y a l'information, et il y a la communication. Nous, on est là pour informer. Parce que le peuple a droit à l'information. Tel que ça se passe sous ce régime que nous avons acclamé à ses débuts, et tel que ça se passe, moi, je vais craindre que quoi. Vous avez un président qui paraît moderne, qui fait Facebook, qui fait les réseaux sociaux, je veux dire en général, et qui donc a révolutionné ce qui se passe à la présidence par rapport au passé, à un passé récent. Mais on a une page Facebook du chef de l'État, on a les soundtracks, c'est-à-dire que nous pouvons aller chercher le son, mais c'est lui qui met le son. Mais notre problème n'est pas là. Ça, c'est l'information officielle que le chef de l'État livre. Mais nous, notre rôle est un peu passé sous silence, et c'est ça que moi je revendique. Et je dis à nos confrères qui sont au service du régime, moi je me réjouis que certains qui étaient dans une certaine conception de la presse, je veux parler de celui qui dirige la communication du chef de l'État, je veux qu'ils comprennent que nous on n'est pas, tout le monde ne peut pas aller, je vais dire à la rivière, non, tout le monde ne peut pas aller servir un régime. Moi je veux rester dans une position donnée et regarder les gens faire. Je veux être dans cette position, moi je suis là. Et eux qui sont là, ils doivent dire le métier là ne se fait pas comme ça. C'est ça que j'attends de nos confrères. Et qu'ils disent, qu'ils nous permettent. Par exemple, j'ai dit quelque part qu'il y a des journalistes accrédités au Parlement. Et je veux qu'il y ait des journalistes accrédités à la présidence, avec un service de presse. Moi, j'en ai vu aux États-Unis, j'en ai vu en France, j'en ai vu partout. Donc, si on veut être un pays moderne, on veut nous construire la ville de manière moderne, c'est ça que le ministre Jean-Guénon a dit, ben, il faut qu'on soit moderne jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on puisse permettre à la presse de jouer son rôle, quitte au chef de l'État de dire, moi, j'ai une certaine information à vous livrer. Mais l'information que le chef de l'État donne ne nous dispense pas d'être là pour être là. Si nous avions été là, nos amis de la communauté, du comité d'apaisement, n'auraient pas fait de communiqué. C'est à travers notre communiqué, leur communiqué, que nous on a compris qu'il y avait une dichotomie entre ce que nous avons lu sur le service de presse, et on a dit quand la communication tue, donc d'où l'article que vous avez lu opportunément. Et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a eu communication, une communication qui a voulu brouiller un peu les choses. D'où le lendemain, c'est dans son revue pour dire que le chef de l'État est resté ferme sur sa position. En fait, nous avons un chef de l'État qui a une opinion donnée, qui la communique et qui veut l'imposer. Et il a même sorti une phrase pour dire les grandes choses ne se font pas dans le consensus. Autrement dit, si on veut faire de grandes choses, si on veut faire des choses, donc on peut imposer même si les autres ne sont pas d'accord. Mais moi, je suis gêné, je parle sous le contrôle de monsieur le professeur, parce que je crois qu'il y a une décision de la Cour qui a dit, qui a érigé le consensus en principe constitutionnel. C'est-à-dire qu'en tout ce qu'on veut faire, il faut le consensus. Il faut nous dire ce que vous voulez faire. Celui qui nous dirige doit nous dire, ah, je veux arranger la ville. Et il fait quoi? Il prend des textes de loi. Et ben, l'Assemblée est là pour voter. Là, si les gens ne sont pas d'accord, il y aura des discussions. Les gens qui ont élu, les gens vont dire, mais non, ce n'est pas ce que nous voulons. Mais le chef de l'État, ce n'est pas quelqu'un qui va dire, bon, j'ai des idées et je veux imposer. Non, on n'est pas Kagame. On n'est pas au Rwanda ici. Le Rwanda ne fait pas d'élection comme nous faisons au Bénin. Et celui que nous, on a élu, ne peut pas prendre le président du Rwanda comme modèle. Il n'est pas notre modèle, parce qu'il n'y a aucune démocratie au Rwanda. Donc, je veux dire que si on veut imiter quelqu'un, on doit imiter ceux qui vous ont choisi. Il faut suivre ceux qui vous ont élu. C'est ceux-là qu'il faut écouter. Maître Salami, est-ce que le chef de l'État a quand même exagéré lorsqu'il le dit, les grandes réalisations n'ont jamais été faites autour de grands consensus? Non, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment ça le problème. Nous, c'est vrai qu'il faut des hommes de vision. Mais il vaut mieux que ça soit partagé et accepté. Absolument. Ça va mieux, surtout quand on est en démocratie. C'est très important. Et c'est là où lui-même a reconnu qu'il peut y avoir des erreurs de méthode qui ont été commises. Et je pense que quand il le dit, il pense à lui-même. Pas seulement au préfet du littoral, dont tout le monde sait la propension à l'exagération. Mais c'est très important parce que quand vous regardez, pour revenir au débat là,
Moi, je l'ai écouté et je me suis dit, en fait, voilà quelqu'un qui veut bien faire. Mais il n'y a pas de chef d'État qui veuille mal faire en réalité, même sous les dictatures. Mais parce qu'on veut bien faire, on peut finalement mal faire quand on n'a pas la pédagogie. Parce que dans ce dossier-là, si les choses avaient été... J'ai compris qu'il voulait faire, en fait, quand il dit mosquée spacieuse, mosquée climatisée, tout ça. J'ai compris qu'il voulait faire le bonheur des musulmans. Mais les musulmans n'étaient même pas informés qu'ils voulaient faire leur bonheur. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on n'était même pas informés qu'ils veulent faire ça pour notre bonheur. On a l'impression d'un acharnement. C'était ça au départ. On s'est dit, bah, voilà, il veut s'en prendre à l'islam parce que la prière du vendredi est très symbolique. Et on est regardé partout dans le monde. Donc moi j'ai dit, il y a quand même un problème. Je ne sais pas comment on va appeler cette communication, mais il y a un problème quand... Après 27 ans de démocratie, d'un peuple quand même assez mature par rapport à d'autres, enfin, on aime se jeter des fleurs comme ça. Mais je pense qu'aucun chef d'État n'est venu pour le sous-développement. Aucun. Aucun chef d'État n'est venu pour nos arriérés. Tous veulent du bien. Mais quand on n'a pas la bonne méthode, on peut avoir les meilleures idées au monde, ça va se solder par un échec. Je ne le souhaite pas. Oui, personne ne le souhaite, le chef de l'État non plus. Et il est allé très loin. Il a dit, je cite, « C'est vrai que parfois on peut manquer de méthode. Au lieu de faire les choses lentement, doucement, on est pressé. Et puis, on veut faire les choses vite. Et on peut pécher parce qu'on a trop de volonté, trop de passion et on veut aller vite. Je suis d'accord, mais sachez être notre porte-voix. » Un chef d'État qui pratiquement confesse, on peut comprendre que derrière l'homme, il n'y a que la perfection. Et alors oublier ces quelques couacs, ils sont folies. Non, comment on peut oublier les couacs? Les couacs, c'est ça, lui-même reconnaît qu'il y a eu des dérapages. Bon, moi, toute cette affaire ressemble à une tempête dans un verre d'eau. Quel problème il y avait d'occupation de la voie publique les vendredis? Vous ne le trouvez pas? Non, je vais vous dire. Moi, je traverse la ville presque tous les jours et je passe les vendredis par la mosquée de Zongo pour aller vers Grandi. Midi 30, 13h, vous voyez la police qui dirige les gens. Lorsque vous venez de ce côté-ci de la ville, c'est-à-dire du côté du commissariat central, vous allez vers Grandi, on vous dit, prenez la voie de ceux qui arrivent de Grandi. Et on se retrouve, c'est coincé, c'est gênant. Ça dure quelques minutes. Lorsque je reviens vers 14h, 15h, tout est déjà terminé. Donc, je crois que c'est un débat qui ne nous concerne pas, l'occupation des voies, ne nous concerne pas au Bénin. Je crois que c'est un débat importé. Parce que vous voyez, tout de suite, les chaînes étrangères s'en sont saisies. Ah, le Bénin, les gens, les musulmans ne peuvent plus prier les vendredis. Ça donne un mauvais effet. Qu'est-ce qu'on veut alors qu'on a traversé les mers pour aller dans les pays du Golfe et on dit le vendredi, on va empêcher les gens de prier. Et chaque fois, on doit sortir des arguments. Donc le professeur a parlé tout à l'heure de glissement. Glissement parce qu'au départ, on nous a dit qu'on veut dégager les voies, les emprises, occupées par des personnes, les habitants. C'est vrai à Cotonou. Nous avons tendance à gérer. Mais nous sommes un pays pauvre. Mais vous allez remarquer, notre ville de Cotonou, quel que soit ce qu'on va faire, ne sera jamais comme Paris. Jamais. Non, ça ne sera pas. Ce n'est même pas souhaitable. Parce que ce n'est pas notre culture. Les gens ont fait. Vous n'avez pas et tout le monde a un étalage devant sa maison. Tout le monde, y compris les gens qui ont un peu d'argent, construit une boutique devant sa maison. Mais ce c'est encouragé. Moi, je n'ai rien à encourager. Je constate que les gens ont des problèmes. Regardez à Grandi. Ceux qui viennent vendre au marché Grandi les soirs, ce sont mes soeurs rois de Plakondji qui sont à côté du quartier un peu d'affaires. Grandi fait frontière avec Rolakodji. Ce sont des femmes-là qui vendent du poisson les soirs. Et on les a dégagées. Aujourd'hui, allez retrouver. Moi, je vais tous les soirs, quand j'ai le temps, puisque j'ai la voiture. Donc, je peux acheter du poisson. Ah, donc, je vois les femmes. Maintenant, elles côtoient les bordures là, de la chef d'or, de la pharmacie. Elles sont là. Et on leur dit, la police arrive, elles sont obligées de courir. Mais je les vois, c'est malheureux. Qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, j'ai vu à Abidjan des marchés, le marché du plateau, qui est un très grand marché propre dans le quartier des affaires. Il y a un marché du plateau.
Le matin, les maraîchers viennent autour de 6 heures. Parce que je faisais des études à l'époque, je venais très tôt. Et vous observez, 6 heures jusqu'à 8 heures, les maraîchers ont disparu. On nettoie la place, vous ne voyez plus personne. C'est-à-dire quoi? La loi dit quoi? Que c'est le maire, l'article 272 du code foncier. C'est la loi qui doit arriver. Que le maire peut donner, accorde par arrêté, pris par après délibération du conseil municipal ou en conseil communal, les autorisations d'occuper le domaine public. Quand on dit qu'on ne veut pas occuper le domaine public, il n'y a rien d'absolu. On peut occuper le domaine public. Allez à Paris, vous verrez que des marchés se tiennent. À Montreuil, le marché Opus se tient rapidement entre midi et 14h. Et puis après, on efface tout. Et le lendemain, vous voyez, le truc est encore propre. Et c'est du goudron. Mais la place publique, c'est un domaine public qu'on peut concéder. Et notre loi l'accorde. Je parle sous le contrôle du professeur. Donc, on peut faire le marché pour les dames de Grand Rive dont je parle là. Et venons vendre du poisson les soirs pour les fonctionnaires qui veulent rentrer. Rapidement, on leur aménage un espace et on dégage ça. Au bout de 2 heures, et puis, ni vu ni connu. Mais les femmes sont obligées de squatter les rues et ce n'est pas bon. Ou alors, on crée un autre espace puisque ces femmes-là ont besoin de... Ce sont les pauvres qui sont venus de les autres. Ce sont mes frères qui sont là depuis près de 100 ans. Hein. Les gens de Flaconi, ils sont là depuis plus de 100 ans. Ils cohabitent avec les gens qui viennent en cravate et qui viennent avec leur voiture et qui veulent acheter. Et elles sont pauvres. Alors, donc, en prenant cet exemple, c'est pour dire que si on ne peut pas rendre une ville moderne, si les gens ont faim, la ville ne sera pas moderne. Paris et Cotonou ne sera jamais comme Paris. Si c'est ça qu'on me dit, moi je dis, c'est dans 1000 ans que Cotonou va être transformé lorsque les populations seront suffisamment riches pour construire des résidences riches comme ça. Mais Salami, vous avez... Oui. En fait, je vais revenir sur le volet social qui est très important de ce qu'on appelle déguerpissement, que le chef de l'État n'aime pas, mais en réalité, c'est des déguerpissements. Je vais revenir. Il n'aime pas le mot. Oui, mais même s'il n'aime pas, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'il a dit? Libération. Oui, oui, ça peut suffire. Ça n'en fait pas. Une libération violente. Pour finir avec l'affaire des musulmans, on a créé une polémique inutile. Une diversion, une distraction, sans doute pour nous empêcher de parler des choses sérieuses sur lesquelles on pourra revenir. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a obtenu, les musulmans? On est content, on se dit on est content, mais qu'est-ce qu'on a obtenu finalement? Oui, qu'est-ce que vous avez obtenu? On a obtenu que, de façon exceptionnelle, qu'on puisse continuer à occuper le trottoir pour prier. Donc, la vendredi, on va vous voir encore sur le trottoir? Bien sûr, si les mosquées sont pleines. Sérieux? Aucune loi ne l'interdit. Évidemment, nous n'avons pas emprise sur le domaine public. Nous l'utilisons, le temps de la prière. Bref, c'est qu'on va l'utiliser maintenant. On va continuer à l'utiliser de façon exceptionnelle, mettons, mais on va continuer à l'utiliser lorsque les mosquées sont pleines. Mais sans bâche, sans barrière. Or, le chef de l'État nous dit, moi je veux meilleure sécurité, meilleur confort. En attendant, on n'a pas meilleur confort, mais on n'a pas meilleure sécurité. J'allais vous poser la question. Mais quand vous acceptez ça, c'est un risque pour vous? Non, oui, c'est, en fait, vous voulez, il y avait un rapport de force. Et dans ce rapport de force, on ne pouvait pas tout gagner. On ne pouvait pas tout perdre. Ce qu'on a eu pour notre communauté, finalement, on se dit, bon, c'est déjà pas mal d'avoir... Parce qu'il ne faut pas oublier le chef de l'État qu'on a. C'est un homme qui était puissant avant d'être chef d'État. Et il est devenu, en ayant le pouvoir politique, encore plus puissant. Il faut voir, on exerce le pouvoir comme on est. Et donc, dans ce rapport de force, les marges de manœuvre n'étaient pas les plus évidentes. Vous avez vu que le pouvoir a d'abord dit, il n'y aura pas de procession, pas mercredi rouge, il n'y aura pas, c'est un lapsus, comment on appelle le procession des chemins de croix. Oui, le chemin de croix, et qu'on irait dans les stades. Mais on se croirait en Roumanie ou je ne sais pas quoi, mais finalement on a dit non, on va le permettre. Vous voyez, il y a eu un cafouillage. Je pense que c'était de la distraction. Alors, je reviens sur ce que le chef de l'État a dit. Il dit, j'aime pas le mot déguerpissement. Je ne sais pas s'il a le temps qu'on lui montre les images de comment ça se passe. C'est de vrais déguerpissements, sans humanité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que... Moi, je revois mes compatriotes, les petites gens qui sont au bord des routes, les vulgarisateurs, les vendeurs, qui vivent de ça et qui nourrissent leur famille. On a dégagé sans alternative. Parce que cette histoire, comme il le dit,
Il ne faut pas oublier le Bénin dont on parle. De quel Bénin on parle? C'est quel Bénin? Le Bénin, c'est où le Béninois a une âme commerçante. Même s'il est fonctionnaire, même s'il est ceci, il aime avoir son étalage. Fait un petit commerce. Et lorsqu'on ne prend pas, on ne tient pas compte de ça, et qu'on va tuer ces petits commerces qui entretiennent l'économie informelle, eh bien, je pense qu'on n'a pas suffisamment apprécié la dangerosité de l'affaire. Parce que dans un pays qui se respecte, avant de déguépir, il faut faire une étude. Combien de personnes sont concernées? Et quel impact ça va avoir sur la vie? Faites appel à des laboratoires universitaires pour étudier. Quand on va les déguépir, qu'est-ce qu'on propose derrière? Et tout ça n'a pas été fait. J'ai l'impression que finalement, on a voulu déguépir pour déguépir. Et on ne voit pas. Une fois qu'on a déguépi, vous parlez de dangerosité. Vous parlez de dangerosité. J'irai plus loin sur un plan juridique. Vous savez, nous on a les juristes ont un peu l'esprit un peu tordu. Lorsque vous avez votre terre que quelqu'un a construit dessus, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas chercher un caterpillar vous-même pour détruire la maison. Vous allez en justice et on va vous autoriser à déguépi. Quel message les pouvoirs publics veulent donner? En venant avec des caterpillars détruits comme ça, sans vraiment avoir une base légale, une base judiciaire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, mais je regrette que dans le Bénin d'aujourd'hui, dans le Bénin de la rupture, on en est arrivé à l'unanimisme, où tout le monde est d'accord, tout ce que fait le chef de l'État est bon, c'est dangereux pour notre démocratie après 27 ans de modèle. Qui est en train de mourir à petits coups. L'éditorialiste dira certainement autre chose. Mais est-ce que le Bénin n'est pas en train d'écrire une nouvelle page de son histoire? Simplement, l'unanimisme, on l'a vu sous d'autres cieux. Jusqu'à preuve de contraire, le Bénin reste un État démocratique. Mais il se trouve que le peuple, à l'unisson, les acteurs politiques, les membres de la société civile, on a comme l'impression que tout le monde voudrait bien regarder dans la même direction. N'est-ce pas aussi un choix? Non, moi, je fais un métier où on ne regarde pas dans la même direction que les autres. C'est ça ma particularité. Je répondrai à la question tantôt. Mais je veux dire, à la suite du professeur, il a dit qu'ils ont obtenu un certain nombre de choses la prière de vendredi, juste en attendant qu'on construise les bosses spacieuses et climatisées comme à Dubaï et dans les pays du Golfe. Et le chef d'État a ajouté, on va vous aider à construire les mosquées. Et il a ajouté quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Il dit, on va vous aider. Mais les autres, là, ne vont rien réclamer. Hein, parce que c'est nous qui avons décidé, vous étiez en situation de privation. Mais j'étais ahuri d'entendre ça. Pourquoi? Mais il utilise l'argent public pour servir une communauté. Les autres vont dire quoi? Mais c'est l'argent public. Les vendusants vont dire, il faut nous aider. Lui-même a dit que nous sommes un pays de tradition vaudou. J'ai sursauté lorsque j'ai entendu ça. Parce que tout le monde ne pratique pas le vaudou. Il y a nos frères du Nord. Je ne sais pas si on assimile toutes les traditions d'autrefois au vaudou. Mais je crois en disant ça de manière péremptoire, il y a quelque chose qui m'a gêné, que nous sommes de tradition vaudou. Soit, si nous le sommes, ce n'est pas comme ça. Le vaudou ne se fait pas au couvent, hein? C'est dans la rue. Moi, je viens d'une des villes ou d'un des villages, je veux dire Grand Popo, qui est l'une des cités du Vaudou. Et moi, j'ai connu au couvent ma mère qui m'a mis au monde, y était, mais nous, on n'était pas autorisés à entrer. Donc ce serait maladroit d'interdire l'occupation. On ne peut pas. On ne peut pas. Vaudou? Jamais. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut mais pas se faire. Ils ont des dirigeants, non? On peut communiquer avec S'il eux. S'il vous plaît, je vous dis que on ne peut pas. Ce qu'ils viennent de faire. Est étranger à notre culture. Le débat là, ce n'est pas notre débat. Vous avez vu les chaînes s'en saisir, RFI qui a dit oui, les prières vont dire, parce qu'eux, ils ont des problèmes avec les musulmans et les gens. Et j'ai vu des gens, des compatriotes dire oui, le chef d'État a raison. Et d'ailleurs, le bruit du muezzin nous gêne le matin. C'est terrible. C'est extrêmement grave ça. Parce que nous avons toujours vécu en harmonie avec les musulmans. Moi, à Grand Popo, j'avais un quartier qui s'appelle Saligakor, mais ça vient, c'est les Nagos qui étaient là. Et ça faisait le mieux, ça ne gênait personne. C'est leur particularité. On a toujours accepté ça. Donc, je m'inscris en faux contre ce que le garde de Sceaux a dit un peu rapidement, que la voix ne peut plus s'exprimer dans les lieux publics. J'ai tiqué. Parce que notre pays de tradition vaudou, comme il veut le dire, moi je me reconnais dedans, mais je plains nos frères du Nord, notre pays de tradition vaudou ne peut pas accepter qu'on ne fasse pas profession de foi dehors. Parce que tout s'exprime dehors. Conclusion, je reviendrai à ce que vous avez dit. Oui, ma question.
votre question. Une question immense. C'est adressé à tous les Béninois. On ne peut pas accepter que les choses se passent comme ça se passait sous le PMPB. On a déjà vu. Et quand je vois le préfet aujourd'hui, je revois l'ancien ministre Azouyo dans ses heures de gloire. Là, vous nous envoyez à la période révolutionnaire, là. Oui, je non, suis non, 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 on ne vit pas la révolution. Je suis âgé et je dois montrer que j'ai déjà vu Azouyo. J'ai vu Béguin. Tout puissant pendant le régime Soglo, qui était en opposition avec l'ancien ministre-président de la Hague, Adam Lin. Et je les ai vus dans le même gouvernement, le Soglo qui s'amusait à les opposer. Et j'ai vu comment Béguin nous terrorisait, empêchait un parti populaire d'ici, dont je ne veux pas citer le nom, de faire une caravane en période électorale. Ah là là, c'est en 2017, vous revivez cette période-là. J'ai déjà vu ça. Donc, les comportements du préfet m'amusent quand je le regarde, parce qu'il n'est rien. Nous sommes en démocratie, on n'est pas en dictature, et ce monsieur a été nommé, et nous connaissons son passé. Nous l'avons dit quand il a été nommé. On peut nommer tout le monde dans le pays. Ceux qui veulent être nommés vont être nommés. Mais il faut nommer ceux qui sont les plus justes. Pas des gens qui ont fait de l'escroquerie. S'il vous plaît, je reviens très rapidement. Je le disais en introduction, oui, mesdames, messieurs, il y a eu des volets. Non, je vous arrête pas, c'est une transition heureuse. Oui, il y a eu quelques touches politiques qu'on ne peut pas laisser sous silence. Issa Salifou s'est beaucoup illustré, l'un des députés à l'Assemblée nationale, musulman aussi, s'est beaucoup illustré au cours de cette période. Je cite là, au passage, l'une de ses phrases phares. On a comme l'impression qu'on a oublié d'où nous venons, disait Issa Salifou. Soit on nous laisse prier et on continue de soutenir le chef de l'État ou bien les lignes vont bouger. Les élections sont terminées, le pays est géré, disait-il, par la minorité. Le président Talon a eu 24%. C'est les autres, ensemble, qui ont complété et qui ont fait de lui président. J'ai l'impression que tout cela est parti dans la poubelle. Le chef de l'État doit revenir sur ce qui s'est passé avant qu'il ne soit là. Maître Ibrahim Salami, oui. C'était des phrases assorties. Oui, enfin, non. En fait, d'un mot sur la nomination du préfet du littoral, la vitrine du Bénin. C'est comme si on nommait le préfet de Paris. Oui. C'est un peu ça. Et c'est vrai que quand un nouveau pouvoir arrive, il envoie des signaux. C'est-à-dire, des gens, nul n'est parfait. Mais quand même, on s'attendait à avoir d'un certain niveau. Et on voit à l'œuvre que, en fait, on se pose des questions quand on voit certaines personnes qui sont nommées à certains postes. Donc le signal que le préfet envoie ne vous agrée pas. Le signal que le chef de l'État envoie d'abord en nommant ce monsieur. Oui. C'est déjà un signal fort parce que quel est-il ce signal? Donc parmi 10 millions de Béninois, on n'a trouvé que lui. On a trouvé que lui, avec ses manières, ses méthodes et son passé. Il y a un problème parce qu'il y a une décision de justice. Oui. On en parlera. Mais c'est quoi ce signal? C'est un mauvais signal. Ah bon? C'est un mauvais signal parce que quant à la qualité des hommes qui sont amenés à incarner ce qu'on appelle la rupture, ce qu'on appelle le nouveau départ. Moi, je suis resté sur ma faim par rapport à cette nomination. Mais passons, il est libre de nommer qui veut. À la fin, on fera le bilan. Oui, il parlait de tout ce qui est envoyé à la poubelle parce que le temps est parti. Oui, l'honorable Issa Salifou. Oui, l'honorable Issa Salifou, justement. On a dit qu'il y a eu de la récupération politique. Mais nous, musulmans et cadres musulmans, nous, on est contents dans ce combat-là d'avoir ces gens derrière nous qui ont dit, et je les salue au passage. Des gens comme Issa Salifou. Oui, parce que contrairement à ce qu'on dit. Il paraît que ça donne une peur bleue. Attendez. Il fallait pas dire ça. À qui? Ah ben vous avez subi les citoyens. À qui? Aux citoyens? Oh. Non, 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 il n'y a rien. Non, je vais vous dire, il ne faut pas croire que la décision du chef de l'État d'interdire aux musulmans de prier sur le trottoir. On est dans les secondes désormais. Est une décision qui n'est pas politique, qui n'a pas de portée politique. C'est une décision politique. La décision du chef d'État. Mais évidemment. Mais ne soyons pas dupes. C'est une décision politique qui a une portée politique, qui a une portée internationale. Donc que ces députés-là, je voulais les saluer ici. Le maire de Cotonou se mobilise pour nous soutenir dans cette cause. Ah, oui. Moi, je dis, ils ont compris la portée politique de ça. Et je les salue. Je ne leur jette pas la pierre. Et ils disent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les lignes vont bouger à l'Assemblée. Mais c'est de la politique.
C'est une façon de dire, monsieur le chef de l'État, si vous allez loin, nous aussi on a des leviers sur lesquels on va agir. Et c'est un langage codé entre politiques, ils se comprennent. En attendant, nous on est contents qu'ils soient avec nous. Ah oui, et vous, vous trouvez ça comment? Non, moi je suis un homme de constat. Et lorsqu'on parle d'amalgame, je dis, mais qui a fait l'amalgame? Ça, qui a créé l'amalgame? Un débat étranger à notre culture, je dis encore vaudouisant, parce que le chef de l'État a dit, nous sommes vaudous, hein? Moi je me reconnais comme ça. Et donc, et on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ce qu'on a dit et faire ce qu'on... ou bien reprocher aux gens de faire de l'amalgame. Il n'y a pas eu d'amalgame. C'est ça, la politique. Et le professeur l'a dit, c'est un homme de science. Moi, journaliste, je constate que c'est la première fois depuis ce régime-là que je vois des hommes politiques réagir. Mm-hmm. Et je crois que c'est de bonne guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose pour lequel... Et moi, je condamne des ministres musulmans qui sont dans ce gouvernement, qui auraient pu donner d'autres conseils. Quand ils sont convaincus, de la démarche du chef, vous n'allez pas les condamner. Le chef les a même amenés en holocauste un peu pour dire... En holocauste. Oui, c'est un holocauste. C'est fort. Oui, le mot est très fort. Il faut utiliser les mots forts pour des choses, des images. C'était l'image très forte du ministre d'État. Il n'a pas amené le ministre Koupaki, hein. Il a amené le ministre Biochani, un musulman pratiquant. Il a amené le ministre Sakalafia, le ministre des cultes. Eh bien, c'est un signal très fort. Et je dis, ces gens auraient pu convaincre le chef d'État pour nous éviter ce que j'appelle une tempête dans un verre d'eau, parce que ce problème n'est pas le nôtre, on a un problème d'occupation. Et j'ai été peiné d'entendre ce que Sakalafia a dit. Mais je suis heureux que les députés de tant de religions musulmanes se soient soulevés. C'est ça la politique. La politique, c'est l'opportunité. Ils saisissent l'opportunité d'un combat et ils s'engagent. Et il faut louer que ce soit ça. Lorsque vous touchez aux intérêts des membres d'une communauté, la communauté se soulève. C'est pourquoi c'est extrêmement dangereux ce qui s'est passé. On a voulu stigmatiser une communauté. C'est ça. C'est la lecture que vous en faites. Pardon? Vous entretenez l'amalgame là. Non. Le chef de l'État a dit, sa mission c'est de rendre plus belle les grandes villes. On ne peut pas rendre, je dis tantôt, une ville belle quand les gens sont pauvres. Allez voir au plateau de Dakar, le grand quartier, vous verrez que les gens crachent. Dans 30 secondes, on aura fini. Dans votre caméra. 30 secondes, dans votre caméra. Dans votre caméra, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. 30 secondes. On ne peut pas dire qu'on veut rendre une ville belle lorsque les habitants n'ont rien à manger. Merci, Vincent Folie. Oui, cette phrase que vous avez prononcée, le chef de l'État aussi l'a dit, je veux embellir, je veux faire. Et j'ai vu un hiatus qui m'a fait froid dans le dos. Lequel? Je me suis dit, est-ce que prier sur les trottoirs était un facteur de salissure? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un glissement là. C'est un deuxième glissement sémantique et intellectuel ou mental, peu importe. C'est-à-dire que j'ai vu, on ne peut plus mettre des bâches, on ne peut plus prier, je veux rendre la ville belle. Je pense que c'est des choses... C'est le gouvernement même qui entretient l'amalgame et qui nous a donné... il a dit pays vaudouisant. Il aurait pu dire que la population musulmane est la première... religion, l'islam est la première religion du Bénin. Aux dernières statistiques de l'INSEE. Maître Ibrahim Salami, les secondes sont terminées. Vous êtes rentré dans les minutes. Un petit mot et je conclue avec votre permission, s'il vous plaît. Oui, allez-y, je vous en prie. Non, je dis qu'il faut, que... la rupture, ça, dans le bon sens. Non, il paraît qu'il n'y a plus de rupture. C'est désormais le nouveau départ et le Bénin révélé. Oui. Ah, le Bénin, non. Bon, d'accord. Il faut que le Bénin se révèle positivement. Positivement pour s'occuper des problèmes cruciaux. L'eau, l'électricité, une meilleure vie. Parce que, et un meilleur espace de liberté. Il faut demander aux Béninois, est-ce que depuis 10 mois, depuis 11 mois, est-ce que vous vivez mieux? Merci, merci. La question, mesdames, messieurs, seront posées, toutes ces questions seront posées très bientôt aux populations béninoises, en tout cas, tout ce qui est représentatif sur ce même plateau pour un autre numéro de 100% Bénin. Ce qui concerne celui de ce jour, c'est terminé et nous allons le clôturer avec l'artiste, écrivain, philosophe et romancier français Jean-Paul Sartre. Je cite, « Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. » Bonne méditation chez vous et prenez toujours soin de vous, quoi qu'il arrive. À très vite, toujours avec la même disponibilité. Merci.